Madame, monsieur, bonsoir. L'Égypte et la Libye n'ont, semble-t-il, pas fini d'en découdre. Le Caire et Tripoli font état aujourd'hui encore de raids de leur aviation contre plusieurs localités. Ainsi, la ville libyenne de Tobrouk a été attaquée par des mirages égyptiens. Deux appareils auraient été abattus par la DCA libyenne, ce que dément d'ailleurs le Caire. Il faut bien reconnaître que dans tout ce genre de conflit, les communiqués militaires sont toujours contradictoires. Mais ce qui est certain, Jacques Abouchard, c'est qu'il y a bien eu des combats ces dernières 48 heures à la frontière entre les deux pays. Oui, et comme vous l'avez dit, une chose est confirmée, les avions égyptiens ont attaqué une base à l'intérieur, à 120 km à l'intérieur du territoire libyen. Il s'agit de Tobrouk, cette base anglaise, cette ancienne base anglaise qui fut en 1942 l'enjeu de combats terribles, féroces entre la 8e armée de Montgomery et l'Afrika Korps du maréchal Rommel. Alors hier, les chasseurs égyptiens ont détruit des appareils au sol, ils ont détruit des bâtiments, et l'explication du Caire est qu'ils ripostent aux attaques répétées des chasseurs libyens contre le poste frontière égyptien de Soloum, que vous voyez ici sur la carte. Tripoli avait fait état du largage de parachutistes et de l'intervention de commandos, mais le Caire a formellement démenti, de même que l'Égypte dément avoir perdu 4 appareils dans cette opération. Et tout à l'heure, l'agence d'information libyenne a parlé d'une attaque aérienne égyptienne contre 5 villes à l'intérieur du territoire de la Libye. Or, hier, dans un discours très dur, Sadat avait menacé Kadhafi de le frapper d'une main de fer. Et il avait eu cette phrase qui sonne comme un appel à la révolte: il faudra que le fou de Tripoli cesse de jouer avec le feu et rende des comptes pour le sang versé. Voyez, ces quelques mots accompagnés du geste, gare à lui s'il nous provoque. La rupture est donc totale, absolue entre les deux hommes qui, il y a seulement 3 ans, avaient engagé la Libye et l'Égypte dans la voie de l'Union. Depuis, Gaddafi s'est lancé dans une véritable croisade en dénonçant l'impérialisme américain, en appelant à la guerre totale contre Israël et en se faisant l'apôtre de l'unité arabe. Il harangue les foules comme un nouveau prophète et à ses yeux, Sadat est coupable d'une triple trahison. Il a abandonné l'héritage nassérien, il est l'homme des Américains, il veut faire la paix avec Israël. Kadhafi, lui, il est l'homme du front du refus. Avec ses énormes revenus pétroliers, il s'équipe massivement en matériel militaire. La France lui a livré des mirages, Moscou est devenu son pourvoyeur régulier, missiles, artillerie et surtout blindés. La presse égyptienne parle de 2500 chars, ce qui paraît tout à fait excessif quand même pour une armée de 30 000 hommes. Dans la crise libanaise, Kadhafi ne fait pas mystère de son appui à la résistance palestinienne et à son ami Yasser Arafat. Il faut signaler d'ailleurs que Yasser Arafat est en train de jouer les messieurs bons offices dans une affaire qui souligne cruellement les divisions du monde arabe, en tout cas. Effectivement, il y a ceux qui accusent Sadat d'offrir à bon compte à son armée une diversion et surtout de mettre à exécution, disons, le premier acte d'un complot contre les régimes arabes progressistes. Et puis il y a les modérés qui accusent Kadhafi de chercher à torpiller le projet de reprise de la conférence de Genève. En tout cas, une constatation, cette crise éclate au moment le plus inopportun. En effet, je vous rappelle que dans quelques jours, le secrétaire d'État américain Cyrus Vance entreprend une tournée au Proche-Orient. Il vient consulter les capitales arabes sur une reprise possible du dialogue avec Israël. Qui s'annonce donc assez mal pour l'instant. Pékin transformé en ville de carnaval, c'est quand même assez rare. Tout cela pour Deng Xiaoping. C'est que visiblement, le second retour de M. Deng annonce des changements en Chine. Un nouveau comité central du parti doit être élu dans l'année et l'actuel comité central, réuni en séance plénière pour la première fois depuis la mort de Mao, l'a décidé. Il a confirmé aussi M. Hua Guofeng dans son rôle de numéro 1 du parti. Il a définitivement exclu les plus gauchistes, dont la veuve de Mao, et il a officiellement ressuscité Deng Xiaoping. Pékin hier soir, le président Hua Guofeng, chef de près de 800 millions de Chinois, lève le bras et il demande à son comité central de voter à main levée la réhabilitation de Deng Xiaoping. Il y a donc 24 heures, et ces images de nos confrères chinois transmises par satellite en sont la preuve, il y a 24 heures exactement, Deng Xiaoping retrouvait toutes ses fonctions. Au même moment, ce comité central condamnait la bande des quatre et, pour reprendre l'un des titres de l'agence Chine Nouvelle, les jetait entre guillemets aux poubelles de l'histoire. Deng Xiaoping était donc installé à la droite de Hua Guofeng. Dès l'annonce par la radio de l'extraordinaire retour, la population de Pékin envahit la place Tiananmen et devant les remparts de la cité interdite entame un défilé en forme de carnaval, comme jamais la Chine n'en avait vécu, comme jamais nous n'aurions imaginé qu'elle en vive un semblable un jour. La Chine change. Tam-tam improvisé sur casserole, chants, feux d'artifice,
Pékin n'a pas vu depuis longtemps une manifestation se développer à une telle rapidité à l'annonce d'un événement. Même si celui-ci était depuis quelques jours pour les Chinois plus que prévisible, même si la fête avait un petit côté organisé. Au cours de cette chaude et humide soirée d'été, les Chinois ont décidé de donner une revanche, et quelle revanche, à Deng Xiaoping. Mais ils ont peut-être aussi décidé, et nous le saurons certainement bientôt, de créer un duo Wakofeng-Deng Xiaoping qui remplacerait au simple sens physique du terme, pour la Chine post-Mao, le duo Mao Tse-tung-Chuanlai. En France, le plan Orsec déclenché à Auch après les inondations du début du mois de juillet a été levé aujourd'hui. Le dicton dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Eh bien, c'est peut-être ce que pensent ce soir les habitants d'Auch et des régions sinistrées qui se sentent un peu abandonnés. Certes, ils attendent pour mercredi l'aide gouvernementale, mais ils voudraient bien revoir les touristes qui ont fui les inondations et n'ont guère été remplacés. Le Gers et les trois autres départements sinistrés sont pauvres et ils ont besoin des vacanciers qui sont généralement nombreux à cette époque. Et c'est pour se rappeler à leurs bons souvenirs que les habitants d'Auch ont organisé pendant ce week-end une braderie. Vous êtes invités à participer à cette braderie, ce sera l'occasion de faire un bon geste, c'est l'occasion aussi d'emporter de très nombreuses affaires présentées par les commerçants sinistrés devant leurs magasins. Les militaires qui ont beaucoup aidé la population laissent la place petit à petit aux commerçants. La priorité aujourd'hui, c'est la relance de l'activité économique. Avant même la réfection des magasins, il faut vendre les stocks de marchandises que l'on a pu sauver. C'est une nécessité absolue. À Auch, 46 millions de pertes pour le petit commerce, autour de 10 millions pour l'artisanat, sans compter l'industrie où les dégâts ne sont pas complètement évalués et le chômage technique qui pourrait toucher 5 à 600 personnes ici. Et ceux qui étaient pessimistes vont redevenir optimistes en voyant le monde de 15 jours-ci, et ça va remarcher. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur, et puis il n'y a pas que des sinistres en légère aussi. Puis je crois qu'ils nous aident, ils nous achètent un peu pour nous aider aussi. Le pourcentage, c'est 1 sur 3 pour les sinistrés. Si dans l'ensemble, la cohésion est grande entre les sinistrés, il faut bien dire que certains commerçants ne jouent pas le jeu très loyalement. Certaines marchandises sont vendues un peu cher. Et puis dans la ville haute, les boutiquiers indemnes ne voient pas cette opération d'un œil très complaisant. Rien n'est facile, surtout pour les responsables qui essaient de satisfaire tout le monde. Unanimité se fait aujourd'hui quand on parle de l'avenir économique. Je pense qu'il faut quelques jours encore pour étudier les dossiers. Et nous allons très vite arriver au mois d'août où tous les services parisiens sont, semble-t-il, fermés. Or, il semble que l'organisme de crédit n'est pas compétence à l'échelon régional pour distribuer ces crédits. Et je pense que cela va poser des problèmes aux commerçants et aux artisans de cette région. La reprise doit être beaucoup plus rapide et il faudrait que les banques locales puissent recevoir délégation et déjà pouvoir faire des prêts-relais à leurs clients. L'inquiétude touche aussi ceux qui ne sont pas sinistrés. Mais la situation n'est pas très bonne, bien entendu, mais nous demandons qu'à la rendre excellente, puisque notre potentiel hôtelier n'a pas été touché par les inondations. Seuls les restaurants et des cafés ont été abîmés, les chambres d'hôtel n'ont pas souffert du tout. Même dans les stations thermales autres que celle de Castérac qui a été abîmée, certaines annulations se produisent, et c'est bien dommage. Par exemple, à Barbotan, station thermale assez éloignée d'Auch, il y a eu des annulations, alors que rien ne les justifie. En ce qui concerne les gîtes ruraux, 80% des réservations ont été annulées. Une difficulté supplémentaire pour les agriculteurs qui ont énormément souffert des inondations puisque selon la Chambre d'agriculture, les pertes agricoles, rien que pour le Gers, s'élèveraient à 90 milliards de centimes. Pourtant, malgré la difficulté des problèmes à résoudre, les Gascons ne baissent pas la tête. Castéra-Verduzan, détruit à presque 100%, est le symbole de cette envie de recommencer. La preuve, au milieu des décombres, dans un hangar, un centre commercial est né, regroupant la plupart des commerçants sinistrés. On reparle de développement économique. Le Parti socialiste ne participera pas à la manifestation du 30 juillet contre la centrale nucléaire de Cresse-Malville dans l'Isère. Décision prise ce matin par le comité directeur du Parti socialiste. Si le comité n'a pas redéfini la position du PS sur le nucléaire, cette décision est peut-être un indice.
Le comité directeur, le premier depuis le congrès de Nantes, s'est surtout penché, Noël Copin, sur le problème de l'actualisation du programme commun, cette circonstance. Oui, et le Parti socialiste s'est montré cet après-midi relativement optimiste dans ce domaine. Il espère que le groupe de travail, dit groupe des 15, aura terminé sa tâche à la fin de la semaine, et à ce moment-là, les trois partis de l'opposition pourront décider, dit-il, de la date d'un sommet. Le bilan est considéré comme positif, c'est ce que nous a dit tout à l'heure M. Pierre Bérégovoy, qui dirige la délégation du Parti socialiste à ce groupe de travail, surtout positif dans le domaine social, mais il reste un certain nombre de difficultés. Parmi ces difficultés, la défense nationale. On sait que le Parti communiste s'est prononcé il y a quelques mois pour ce qu'il appelle la maintenance de la force de dissuasion, et au Parti socialiste, ça pose quand même quelques problèmes. Cet après-midi, par exemple, M. Charles Hernu a posé une question. Et il se demande si ce changement d'attitude du Parti communiste sur le problème de la défense n'implique pas en fait une autre politique étrangère que celle qui est définie dans le programme commun. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais lui estime que dans ce cas-là, il vaudrait sans doute mieux en rester à la lettre du programme commun. En tout cas, les socialistes sont réticents face à l'expression de défense tous azimuts, expression gaulliste qui a été reprise il y a quelques mois par le Parti communiste. Vous allez entendre M. Bérégovoy. Ce n'est pas une expression que nous faisons nôtre. Le programme commun de gouvernement sur ce point dit défendre la France contre tout adversaire, quel qu'il soit. Ça nous paraît suffisant. L'expression tous azimuts a un contenu, que l'on connaît un contenu historique, et ne correspond pas aux orientations du Parti socialiste, qui s'en tient là-dessus aux équilibres réalisés en 1972. Sur le plan de la politique extérieure. Un changement de la politique de défense, justement, entraîne-t-il un changement d'orientation en politique étrangère ? Non, nous croyons que nous sommes d'accord avec le Parti communiste pour rappeler les principes sur lesquels doivent reposer la défense et la sécurité de la France. Alors nous serons attentifs à ce que la définition des principes et éventuellement des moyens, la force de frappe c'est un moyen, ne soit pas en contradiction avec les principes de politique étrangère sur lesquels, je le répète, nous avions fondé notre accord en 1972. Après les incidents de jeudi soir au cours du journal télévisé de TF1, le Parti communiste se trouve isolé. Les réactions des autres formations politiques, y compris ses partenaires, sont négatives quant à l'action menée par un groupe de militants communistes, défenseurs de Concorde. Mais ce soir, par l'intermédiaire de Roland Leroy, membre du bureau politique, le Parti communiste a précisé sa position. Si les conditions du débat démocratique étaient créées, les travailleurs ne seraient pas conduits à rechercher les moyens de se faire entendre, malgré tout. Leur droit à la parole serait assuré. La tapageuse diversion du pouvoir ne doit pas permettre de passer sous silence les vraies questions posées par les travailleurs d'aérospatial, c'est-à-dire le sort de Concorde et de toute l'aviation française, le sort de dizaines de milliers de travailleurs de cette branche décisive de l'économie nationale. Le Parti communiste français réclame avec une insistance renouvelée un véritable débat national sur l'enjeu réel de l'atterrissage de Concorde à New York. Il réclame du gouvernement, qui parle mais n'agit pas, des initiatives concrètes et résolues pour faire prévaloir dans ce domaine comme dans tout autre l'intérêt de la France et de son peuple. Telle est la déclaration du bureau politique du Parti communiste français. Le président du conseil d'administration de l'Opéra, Jean Sallus, s'est donné la mort ce matin à son domicile parisien. Monsieur Sallus avait joué un rôle important dans les négociations pour réorganiser l'Opéra. Et puis le Sidunati dément être l'auteur de l'attentat du tribunal d'instance de Villeurbanne la nuit dernière. Certains avaient fait le rapprochement entre cette explosion au tribunal et l'arrestation du secrétaire départemental du Sidunati. Le soleil, la mer, le dépaysement, bref, les vacances. Prenez un catalogue et choisissez votre pays, par exemple la Tunisie. 1 million de touristes cette année. Mais sur ce million, qui connaît vraiment la Tunisie? Je veux parler de ses réalités quotidiennes. Dans 2 jours, la Tunisie va fêter les 20 ans de sa République. Pour découvrir un peu plus profondément ce pays si proche de nous, je vous propose un premier reportage qui traite des problèmes économiques en Tunisie, que, comme partout, une difficulté majeure, l'emploi. Ce vieux petit train si sympathique, c'est le TGM, qui relie Kaïnkaa, Tunis, au chapelet de localités de la banlieue nord, au nom prestigieux de Carthage, Salambo, Hannibal. Un voyage dans le TGM donne un aperçu de la Tunisie d'aujourd'hui, des grappes de jeunes. C'est que un Tunisien sur deux a moins de 20 ans. Presque tous vont à l'école ou à l'université. C'est l'une des réussites du président Bourguiba.
la Tunisie consacre plus de 30% de son budget à la scolarisation. Mais ils sont 50 000 à déferler chaque année sur le marché du travail, et le principal souci du gouvernement est de leur trouver à tous un emploi, et ce n'est pas simple. Nos prévisions étaient de satisfaire 30 000 emplois l'an et 20 000, c'était l'immigration. Nous avons réalisé non seulement ces prévisions, mais les avons dépassées, puisque la moyenne de création nouvelle d'emplois est de l'ordre de 41 000 par an. Ceci est dû à deux choses. Intensification de la production agricole, surtout dans les périmètres irrigués. Deuxièmement, les investissements sont davantage orientés vers les investissements immédiatement rentables et surtout vers les petites et moyennes industries. La Tunisie indépendante est née pauvre. Peu de réserves énergétiques et minières, une démographie trop forte. Un pays agricole qui a subi de graves et longues sécheresses, la Tunisie a parié très tôt sur le tourisme et depuis quelques années sur l'industrie. Pour créer des emplois, des entreprises étrangères ont été invitées à s'implanter en terre tunisienne avec beaucoup d'avantages à l'appui afin d'exporter leurs produits. C'est la loi d'avril 72 sur les investissements étrangers. Nous sommes un tout petit pays qui dépend dans une très large mesure de l'extérieur. Nous dépendons de l'extérieur d'abord pour l'ensemble des biens d'équipement pratiquement. Ensuite, pour beaucoup de produits alimentaires, le sucre, le café, le thé évidemment, mais même pour les céréales. Donc nous sommes obligés d'exporter quelque chose. Les 200 usines étrangères installées en Tunisie, comme cette entreprise française qui fabrique des autoradios, ont permis au total de créer 15 000 emplois, dont 90% dans le textile. Le textile, un secteur où la main-d'œuvre féminine est peu chère. Mais voici que les récentes mesures prises par la France et le marché commun afin de freiner les importations de textiles pour protéger leur propre emploi touchent la Tunisie. Ouvert depuis toujours vers l'Europe, associé à la communauté, les Tunisiens regrettent de subir le même sort que Singapour, Hong Kong ou la Corée du Nord. Pour ce qui est du textile, c'est un problème de mode. Les séries sont déjà faites, les commandes sont déjà presque réalisées, puis on vient au milieu du chemin, on stoppe cela. L'industrie tunisienne va souffrir énormément. Et puis ensuite, il y a certaines productions tunisiennes que les industries françaises ne produisent pas et qui sont en quelque sorte également pénalisées. Alors on ne comprend pas pourquoi. En 20 ans, le niveau de vie de la population a incontestablement progressé, la stabilité politique y est pour beaucoup. Cependant, la Tunisie subit durement la crise économique. Les efforts demandés par le gouvernement sont mal ressentis. Les prix alimentaires grimpent plus vite que les salaires, d'où un mécontentement de la population et même une agitation sociale qui s'est traduite par des grèves. D'autant que l'amélioration des conditions de vie n'a pas profité également à tous. Le 25 juillet, le petit train va disparaître avec ses vieux wagons brinque-ballants. Il était en service depuis 1892. Un métro tout neuf le remplacera. Certains y voient tout un symbole. À propos de textile, on comprend évidemment l'émotion des Tunisiens, mais il faut compter aussi avec les graves difficultés que connaît ce secteur en France. Vous en avez eu l'illustration hier soir encore dans ce journal avec la fermeture de l'usine de Montéfibre dans les Vosges. 1039 chômeurs de plus. La crise du textile fait d'ailleurs l'objet de négociations à Genève entre pays industrialisés et pays du tiers-monde. Les pays européens et les pays du tiers-monde sont en train de négocier en ce moment à Genève ce qu'on appelle l'accord multifibre. En fait, les Européens essayent à travers cet accord de limiter l'arrivée massive dans leur pays de fils, de t-shirts ou de chemises en provenance du tiers-monde. Car les pays du tiers-monde, grâce à une main-d'œuvre très bon marché et une productivité record, fabriquent les produits textiles deux ou trois fois moins chers. Notre industrie, qui compte 5000 entreprises et 300 000 salariés, ne peut évidemment résister à une telle concurrence. Déjà, beaucoup d'entreprises font faillite et mettent des travailleurs au chômage. Mais pour l'instant, les négociations piétinent et l'accord a bien du mal à se conclure. Les pays du tiers-monde entendent poursuivre leurs ventes. Le textile est souvent l'une des industries clés de leur développement.
Et puis, les pays industrialisés n'ont pas tous les mêmes intérêts. L'Allemagne ou les Pays-Bas, par exemple, qui n'ont presque plus d'industrie textile à protéger, ne sont pas aussi intéressés à cet accord que la France, qui doit, elle, défendre les nombreux salariés de ce secteur. En lisant ce matin les journaux, j'ai vraiment été étonné par une information. Les Américaines et les Américains se font de plus en plus stériliser. D'après une étude très sérieuse de l'université de Princeton, près de 7 millions d'Américains ont choisi la stérilisation pour ne plus avoir d'enfants. Et parmi eux, il y a 3 millions d'hommes. Il y a presque autant de gens d'ailleurs qui se font stériliser que de femmes qui prennent la pilule aux États-Unis. Et en fait, on s'aperçoit que le quart des couples américains pouvant procréer utilisent des moyens contraceptifs pour ne plus avoir d'enfants. Et devant ces chiffres, Martine Alain-Regnault, il est permis de rester perplexe. Oui, c'est une évolution très nette et très récente. La stérilisation, ça devient la nouvelle panacée. On se dit, c'est un moyen contraceptif unique de ne plus avoir d'enfants. Et comme les autres méthodes ont été décriées, à tort ou à tort parfois, à raison parfois, on se dit, c'est le moyen magique. Alors, en quoi ça consiste? Alors, je vous ai préparé un petit schéma très réaliste de l'appareil sexuel féminin et masculin pour que vous compreniez bien. Ceci est l'appareil sexuel féminin. Vous avez ici l'ovaire, l'ovule qui est expulsé par l'ovaire et normalement recueilli par la trompe pour aller rejoindre les spermatozoïdes. Alors, on ligature les trompes de façon à ce qu'il n'y ait pas de communication entre les spermatozoïdes qui grimpent et l'ovule qui descend. Alors, ceci, c'est chez la femme. Chez l'homme, l'autre moyen, qui est beaucoup plus simple, je signale, consiste à lier ici ou à sectionner ici le canal déférent, qui est le canal qui recueille les spermatozoïdes sécrétés par le testicule. Alors, c'est définitif. Une fois qu'on est stérilisé, alors, on ne peut plus avoir d'enfant. Alors, je vais vous dire. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages sont très nombreux. C'est bien accepté chez la femme, bien toléré. C'est une grosse intervention. Chez l'homme, c'est une intervention d'un quart d'heure, sous anesthésie locale, tout va très bien. Mais il y a un gros inconvénient, ça n'est pas forcément réversible. C'est donc très souvent pour toujours, et ça pose des problèmes psychologiques aussi. Alors, ces stérilisations, moi ça m'a étonné parce que ça concernait les États-Unis, mais pour les pays en voie de développement qui ont une forte démographie, ça peut paraître quand même une solution. Oui, c'est une demi-solution. Je vous ai apporté un chiffre. En Inde, en octobre 1976, on a fait 1 300 000 stérilisations pendant que naissait 1 million d'enfants. Ça vous donne une idée du nombre. Mais parallèlement, comme c'est définitif et que dans le tiers-monde, les enfants meurent beaucoup en bas âge de maladies infectieuses, c'est une méthode qui n'est pas très bien acceptée. Et en France, est-ce qu'on se fait stériliser? Alors, en France, on se fait stériliser, mais dans la clandestinité, comme ça a été le cas pour l'avortement. C'est interdit en France. C'est rigoureusement interdit par le Conseil de l'Ordre, sauf quand la santé de la mère est menacée par une grossesse. Mais dans la pratique, les gynécologues le font, malgré d'éventuelles poursuites qui n'ont jamais lieu. Merci beaucoup. Le Tour de France, avant-dernière étape, gagné par le Hollandais Knetemann. Thévenet conserve son maillot jaune avec 36 secondes d'avance. À moins d'un coup de théâtre, on ne voit pas comment Bernard Thévenet ne serait pas sacré vainqueur demain sur les Champs-Élysées. Voici l'arrivée de l'étape du jour, donc avec Knetemann, le vainqueur. Mais à la veille de l'apothéose, on a parlé d'autre chose sur la route du Tour, des rumeurs circulant au sujet de Zotemelk. Un contrôle antidopage concernant le Hollandais Zotemelk n'aurait pas été rendu public. Et Raphaël Gemignani, qui a attiré l'attention, menaçait même de ne pas aligner les coureurs de son équipe au départ demain sur les Champs-Élysées. Et bien maintenant, les choses sont mises au point. Le contrôle est publié. Zotemelk a été reconnu positif. Athlétisme, championnat de France à Nevers. La meilleure performance de la journée a été réalisée dans le 1500 mètres par le Bordelais Francis Gonzalez, 3 minutes 37 secondes et 1 dixième, qui a battu d'ailleurs son homonyme Alex Gonzalez. Alex a fait moins de 3 minutes 40 secondes lui aussi. Avec les deux Gonzalez, c'est peut-être le renouveau du demi-fond français. Tennis, Coupe Davis, la journée a été moins réussie pour les Français qu'hier, puisque Geoffrey et Dominguez ont été battus par les Roumains Nastase et Tyriac, 6-3, 6-4, 3-6, 7-5. Mais reste la journée de demain. On espère bien que Geoffrey, face au Roumain Aradaou, apportera le point qualificatif aux demi-finales simples messieurs, à moins que ce soit Proisy contre Nastase. Cet échange peut expliquer en partie les deux premiers sets perdus par les Français. Geoffrey, trop hésitant, termine mal ses matchs, comme celui-ci par exemple. Et voilà. En revanche, le beau retour de Dominguez-Geoffrey
qui gagne le troisième set et mène 4-0 dans le quatrième, est bien illustré par ces images où leur vitesse d'exécution fait plaisir à voir. Regardez. Puis c'est l'écroulement inexplicable des Français et la balle de match dans le filet. Nastas et Thiriac ont gagné, mais pour demain, l'espoir de qualification pour la France demeure très fort. On peut aimer Brahms, on peut aimer le soleil et la mer, on peut aimer boire un petit coup, mais pas trop, on peut aimer aussi les confitures, pourquoi pas. Ceci est très bon, hein. Mais la pêche. Je pense que c'est très salé. Ceci n'est pas de la gourmandise, mais un nouveau loisir, une redécouverte. Melon banane, c'est très bon. Avec le fromage blanc, c'est bien meilleur. Oui. Ces dames participent dans l'île Saint-Louis à un stage dégustatif et pédagogique sous la cuillère distinguée d'une initiatrice qui élève cet art domestique au rang d'art noble et envisage avec sérieux d'offrir bientôt au public du centre Beaubourg le fruit de ses réflexions et les fruits de ses chaudrons. Effectivement, j'aimerais qu'à travers les confitures, proposer un voyage sensoriel et que je souhaiterais que d'autres parlent du goût, parlent de l'historique du goût, parlent du goût. Je pense qu'il y a place pour tous et j'aimerais effectivement, à partir des confitures, arriver à cette rêverie sur l'aliment et à parler de l'affectivité et du symbolisme alimentaire, dont beaucoup parlent aussi bien que moi et peut-être mieux que moi avec cette compétence, mais pas avec plus d'amour. Vraiment, ça ne me disait pas grand-chose, mais je suis venue voir par curiosité. Alors là, j'étais éblouie en goûtant. D'abord, c'est une découverte, cette association de trouver cette magie de la confiture, de mélanger ses fruits. Ça. Puis en goûtant, ça m'a stimulée, j'ai recherché avec plaisir j'ai découvert le palais, quoi, à nouveau, et le palais, puis après, quand j'ai vu la fumée, les cuivres, c'était vraiment le plaisir des sens, des yeux, de l'odorat. Il existe, paraît-il, des confitures aphrodisiaques. Il y a une confiture réputée comme telle et étiquetée comme telle, qui est la confiture de pêche acidulée aux épices, pour se préparer aux nuits ardentes des raisins ou simplement pour accompagner le canard rôti. Elles sont très bonnes, ça. Ça ne fait pas grossir ? Non, ce qui fait grossir sont les calories, pas le sucre en lui-même. Le sucre apporte 4 calories par gramme, les graisses par exemple apportent 9 calories par gramme. On n'a pas tellement de ça d'avoir, on fait partie du ministère de la vie. D'abord l'ananas. Ah, voilà. Ah, oui, vous êtes excellente. L'ananas. Nos grands-mères, comme M. Jourdain, ne savaient peut-être pas qu'en préparant nos confitures, elles faisaient aussi de la philosophie. À notre menu maintenant, la météo, la France coupée en deux. Les moins gâtés sont ceux qui sont dans la moitié nord. En effet, le temps demain sera très nuageux et localement brumeux le matin. L'après-midi et le soir, il y a des orages de prévus. En revanche, soleil sur la moitié sud, après dissipation de quelques brouillards matinaux dans le sud-ouest et le massif central. Voilà pour les nouvelles de ce samedi soir. Merci d'avoir suivi le journal avec nous. Votre prochain rendez-vous à 23h20 avec Pierre Alain. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.